Écoute, ça c'est sur là en même temps là, hein? Allez, ça va. Maintenant, je vous dis ce qui nous peut causer, hein? C'est syllabus, ok? Voilà, syllabus, c'est nous peut causer. Computer science, les papiers qui je peux le faire, c'est computer science. Si je tenais un cahier, je peux noter. Si je peux faire un sujet, c'est computer science. Syllabus code, c'est 20 des 10, correct? Cambridge Computer Science, syllabus, c'est 20 des 10, correct? Et je dois grade 10 maintenant. Correct, grade 10 veut dire je vais vous composer dans l'année 2023. Ok, le syllabus qui m'a pégé, c'est 2023. Et mon fini à vous, je ça dans WhatsApp et mon fini à vous, je ça dans Classroom. Moi, dans Classroom site, allez, mon mot, je comment vous avez accès avec lui. Correct, je vais dire mon père, prends-lui. Mes élèves de grade 10, je poursuivre syllabus Computer Science. 20 des 10 et je vous composer dans l'année 2023. Correct? 2023. Maintenant, pour ceux qui peuvent faire computer science, voilà, nous avons des qui peuvent rentrer à ce là. Ok? Ça, non, mais ça, c'est la base. C'est la base pour 2 ans. C'est-à-dire grade 10 avec grade 11, je vais faire ça, c'est la base là. Je vais le composer dans la forme 5, là, je vais dans grade 11. Il y a dans 2 ans qui travaille, je vais faire. Je vais avoir des papiers à faire. Correct? Les enfants vont suivre. Voilà, ça des papiers qui se pourra le faire là. On appelle ça paper 1 avec paper 2. Si j'ai envie de noter, je vais noter. Si je me perds trop vite, je dis à moi. Je dis, il y a des papiers à faire. Ok, you have paper 1. Ok, puis maintenant, il est rentré, il trouver un peu de l'élève, il est rentré. Correct, je dis, paper 1. Si je te les note, il y a une coupe de l'autre cahier pour que je te connais. Je vais vous dire, je te là, mais en même temps, je te connais. Paper 1 est né à temps 45 minutes. Et les 50% de papier. Correct? Et les 75 points. Et qui est notre paper 1? Short answer. Structured questions. Et les couverts topic 1 à 6. Chapitre 1 à 6. Topic 1 à 6 les couverts. Et toutes les questions que vous avez fait de paper 1. Answer all questions. All questions are compulsory. Et surtout, pas gagner un droit servir calculatrice. Nous calculons. Moi, je dis les paper 1, les théories, les 50% de papier, et les 75 points, et les short answered and structured questions, et les couverts topic 1 à 6. Et je dois répondre à toutes questions qu'on peut sur les pénales options là-dedans. Je dois répondre à toutes questions. Et pas un droit servir calculatrice. Et les corriger externally. Qui veut dire externally? Je veux dire les corriger par Cambridge. Les pas corriger dans Maurice, ce papier-là. Paper 1, pas corrigé dans Maurice, les corrigé par Cambridge. Maintenant, Paper 2. Paper 2, les énéatants 45 minutes pareil, les 50% de papier, et les short answered and structured questions. Et dernière question là-dedans, il y a un scenario based question. Il y a un case study. Un scenario based question, un case study. Dernière question de papier D. Et papier D, il commence chapitre 7. En chapitre 10. Paper 1 du chapitre 1 à 6 et paper 2 du chapitre 7 à 10. Vidia dans deux bananes où il y a chapitre 1 à 10 à faire. Chapitre 1 à 6 du paper 1, chapitre 7 à 10 du paper 2. Et paper 2, normalement, ouais, il a posé les paires de rentrée, les autres rentrées. Ok, nous les autres rentrées. Voilà, je vais discuter ici la bosse là, en même temps le banzélé peut rentrer. Je vais expliquer ce qu'il y a pour faire pendant des bananes. In 2 years, what we will cover. Qui travaille et n'a pour faire. Correct? Et puis pour tout, les algorithmes ça enfants, programming ça. Et il y a un chapitre appelé logic. Correct? Et mes enfants, j'ai besoin d'un autre plume et un cahier pour noter une bonne petite affaire que moi je vous dis à noter là. Hein? Soit après, je t'ai une vidéo et je t'ai dit. Correct? Bon, je reprends-le. Je reprends-le pour vous qui me fait join. Et des fois, je vous répète même les affaires pour vous être habitué à lui. Je vais dire au level. Je vais faire au level. Correct? Si c'est computer science. Correct? Je code pour ça, si c'est là, c'est 20 des 10. Et l'année qui je vous compose ça va être là, c'est 2023. Correct, moi je vais donner le syllabus 2023. C'est-à-dire, l'année de 2021 à 20D,
21 à 22, je prends un cours de grade 7, correct, non, grade 10, et 2022 à 23, je peux venir de grade 11, je peux composer. Peut-être je vais faire syllabus pour l'année 2023, correct, je pense qu'on va suivre, hein. Et je t'en ai deux papiers pour faire, ce qui m'a fait dire, je t'en ai deux papiers à faire. Combien de chapitres je t'en ai? Ça, c'est quoi intéressant, t'as l'air fait noter, je t'en ai 10 chapitres, ok, chapitre 1 à 6, c'est paper 1, chapitre 7 à 10, c'est paper 2. Ok? Chapitre 1, paper 1, les théories. Et paper 2, les programming, algorithmes avec logique. Correct? C'est-à-dire, nous avons paper 1 avec paper 2. Maintenant, nous allons en détail. Je vais répéter pour les élèves qui ne font rentrer. Voilà. Vous pensez que tous les élèves vont trouver. Paper 1, les élèves ont 45 minutes, les enfants. Combien les temps? Il y a 45 minutes. Même affaire, paper 2, il y a 45 minutes. Correct? 50%, 50%. Paper 1, il y a 50%, paper 2, il y a 50%. Point, il y a 75 points, paper 1, 75 points, paper 2. Tous les deux, short answer and structured question. Short answer, structured question. Mais paper 1, il couvert topic 1 à 6. Paper 2, il couvert topic 7 à 10. Et toutes questions, vous allez répondre. Compulsory. Ok? All questions are compulsory. Answer all questions are called compulsory. Pas de droit de servir calculatrice dans ce deux papiers là. Et tous les deux papiers vous corrigez externally. Je veux dire pas de Maurice. Externally vous corrigez. Correct? Maintenant, si vous avez envie de noter dans votre page ou cahier qui vous peut prendre, allez noter, mes enfants, dans votre page ou cahier qui nous a paper 1 et nous attend 45 minutes. Correct? Et paper 1, ça fait ça computer system. Paper 1, il appelle ça computer system. Et paper 2, il y a 45 minutes, il appelle ça algorithm, programming and logics. Tous les enfants, ils écrivent? Allez, mourir, j'ai dit pour les enfants, copie, il dit. Paper 1, il y a 45 minutes, il appelle ça computer system. Et il sonne 15 points, correct? Il appelle ça computer system. Correct? Tous les enfants, ils étaient là. Et paper 2, on appelle ça algorithm et programming logique. Et tous les deux, ils sont en 45 minutes. Allez, vous pouvez bouger, tous les enfants ont écrit ça. Il y a deux papiers pour faire pendant deux bananes. C'est-à-dire grade 10 avec grade 11, vous avez complété ça deux papiers là. Mais moi, je vais faire ça deux papiers là dans un an avec vous, si vous êtes capable de faire ça. Allez, question pour moi. D'où Shahil est rentré? Shahil, combien de papiers tu en as pour faire? Dis-moi une goutte, tu as des bananes? Des papiers, je vais trop tenter bien. Ça ne m'explique pas, bon, je vais la voir. Ça ne m'explique pas. Allez, ouais, tu as des papiers pour faire. Correct? Paper 1 avec paper 2. Correct? Paper 1, comment appeler Shahil? Et paper 2? Allez, right. Allez, dans laquelle tu as un droit de servir calculatrice? Bien bon, aucun papier. Allez, paper 1, qui est le topic qui est couvert? Dis-moi une goutte vite. Bien bon, et papier D? Très bien. Allez, maintenant, Aster, nous allons en détail. Nous allons en détail, mes enfants. Paper 1, qui est qui se dans le chapitre que nous connaissons? Allez, notez dans le cahier, Aster. Hein? Vous allez noter paper 1, qui est le chapitre qui est couvert? Allez, notez. Paper 1, qui est couvert, ça, 6 chapitres là. Correct? Allez, notez. Qui six chapitres couverts dans paper 1? Data representation. Allez, créez l'autre cahier. Data representation, paper 1. Deuxième chapitre. Data transmission. Data transmission. Ok. Paper 1, hein? Paper 1. Data representation, premier chapitre. Deuxième chapitre, data transmission. Troisième chapitre, hardware. J'espère que tous les enfants peuvent noter parce qu'ils me posent une question entièrement là. Hein? Nikhil, je vous pose la question combien de papiers il y a dans Computer Science. Correct, entièrement, je vous pose une question là. Allez, nous reprenons. Paper 1, Computer Science. Premier chapitre, Data Representation. Deuxième chapitre, Data Transmission. Troisième chapitre, Hardware. Quatrième chapitre, Software. Allez, écrire vite, vite. Cinquième chapitre, Internet and its uses.
Sixième chapitre, Automated and Emerging Technologies. Notez. Automated and Emerging Technologies, chapitre 6. Ok, chapitre 6. Oui, allô? Oui, mon récit est dans le groupe là, non? Mon objet est dans le groupe là. Allez, moi, c'est Meta. T'as bien un kit camarade qui est online là, non? Allez, m'envoie-t-il le salon, hein? M'envoie-t-il Zoom ce code, te rend toujours. Allez, merci. Bon, il y a un zélé, tu peux rentrer dans le pan récit. Gradnif, bouge. Allez, là, on a envoyé dit là. Correct. Encore qui s'élève, pas encore rentré. Bon, pas grave. Ok, nous continuons. Allez. Nous continuons, hein, si Benzele qui finit, rentrer, sinon on peut appeler ça dans YouTube après ce qui était. Vous êtes capable de noter dans votre cahier. Allez, nous reprenons le paper 1, data representation, data transmission, hardware, software, the internet and its uses, et chapitre 6, automated and emerging technologies. Vous avez enfin noté dans votre cahier? C'est paper 1, ça, paper 1 de l'école, normalement de grade 10, ben là, fait ça. Et dans grade 11, forme 5, ben là, fait paper 2. Fait algorithme, c'est un appel ça, flowchart, pseudocode, tout ça là, fait là-dedans. Programming, nous pouvons faire VB et capable nous pouvons faire Python. Il y a des élèves qui ont fait Python normalement l'année dernière. Et database, papier D, ça. Papier D, database. Dans forme 3, grade 9, les élèves qui font ça normalement, database. Et Boolean logic, c'est un logic gate, tout ça là-dedans. C'est chapitre 10. Allez, tous les enfants, notez dans votre cahier. 6 chapitres, il y a dans paper 1. Et 4 chapitres, il y a dans paper 2. Chapitre 1 à 6, c'est paper 1. 7 à 10, c'est paper 2. J'espère que tous les enfants aient une récit noté. Si je n'ai pas une récit noté, là, je vous ai répondu après. Allez, il y a un peu de rentrer là. Vous voyez? Il y a un peu de join. Ok, nous commençons là. Correct. Ok. Bon, ça introduction là, c'est la base. Rapidement, vous dire, vous continuez là. Vous élèves qui rentrent. Voilà, nous continuons. Vous avez élèves qui ne fait rentrer. Vous verrez, Jésus, pour forme 5, on appelle ça Computer Science. Si la bosse là, ce code, il y a 20 des 10, et je vais composer dans l'année 2023. Correct. Et comment on dit à zot, il y a 10 chapitres. Paper 1, il y a chapitre 1 à 6. Paper 2, il y a chapitre 7 à 10. Et paper 2, appelle ça programming, algorithm, programming and logic. Et paper 1, appelle ça computer science. Et nous ne fait qu'expliquer, nous disons, comme ça. Voilà, paper 1, il est né à 45 minutes. Et paper 2, aussi, il est né à 45 minutes. Paper 1, il appelle ça computer system. Il est 50% de points. Il a des papiers pour se faire. Et paper 2, il appelle ça algorithm, programming and logic. Il est 50%. Tous les deux, ils sont 15 points. Sont 15 points. Short answered and structured questions. Short answered and structured questions. Paper 1, chapitre 1 à 6. Paper 2, chapitre 7 à 10. Et tout question li compulsory, obligé faire. Mais, paper 2, il y en a une question là-dedans, on appelle ça case study. Après, on vous discute ça. Nos calculators per minute, nos calculators per minute. Correct? Allez, maintenant, nous rentrons dans le topic là un peu plus bien. Computer system, nous pouvons être sur le premier chapitre de aujourd'hui, de vous commencer à faire là. Les restes, tout banzélé, mon pensée de finir à rentrer. On va checker si vous n'allez pas encore rentrer mon 40 minutes parce que la classe a beaucoup commencé là.
Ok, nous vous commencez bien, tous bons enfants de suivre, hein, nous allons continuer. Bon, je vous dis qu'il nous explique, c'est Data Representation, correct? Premier chapitre, nous vous prenons. Data Representation, c'est le nom, ça s'appelle ça Number System, correct? Nous commençons nos classes là, entièrement, Number System. Et je pourrais prendre là-dedans, Number System, combien Number System nous avons? Qui appelle Dinery, qui appelle Binary, qui est dans le syllabus expliqué, Dinery, Binary, avec Hexadécimal. Aujourd'hui, nous prenons un topic là, nous vous causez aujourd'hui. Correct, les enfants d'accord? Dans la base aujourd'hui, nous vous causez Dinery, Binary, avec Hexadécimal. Are you ready to follow the class now? Can we start the class? Correct, on va faire cause la base, combien de papiers j'ai là? Et ça des papiers là, normalement, si j'étais capable de. Aujourd'hui, c'est-à-dire de grade 10 même, j'étais capable de compléter. Allez, on commence ça chapitre là, et après là, nous pourrions causer qui ban plan nous pour faire. Correct? Allez, tous mes enfants suivent maintenant, si j'ai un carrière pour noter, je vais noter. Premier chapitre qui m'a permis de faire, c'est Number System. Correct? Voilà. Là, je vais commencer à noter, je vais guetter. Voilà. Je vais montrer dans le syllabus, premier chapitre qui m'a permis faire, appelé Number System. Les enfants me suivent. Si j'ai un carrière, je vais noter. Et nous allons un peu doucement. Correct? Pour mes enfants qui vont suivre. Ok, Number System. Ok, t'as un coup de mot peine de passer, oui. Voilà, mot peine, Number System. Bon, qui veut dire Number System? Le compter, Number System, c'est comment le compter. Et combien de Number System il y a? Jusqu'à l'heure, les gens à l'école, les professeurs, ils m'ont dit de compter. C'est le compter de base 10. 10. Base 10, comment on appelle ça? 10. C'est même avec ça décimal. Correct? Jusqu'à l'heure, on fait mathématiques de décimal. Base 10. Tu en fais correct? Base 10. Décimal. Base 10, on travaille. À part ça, je ne peux pas faire non. Dans mathématiques, c'est base 10, on en prend. Ok? Et combien de digits il y a dans base 10? Il y a 0 à 9. Base 10, il y a 0 à 9. Mais le computer, malheureusement, il ne comprend pas base 10. Il ne comprend pas comprend base 10. Computer, pas comme humain ça. Humain, il comprend base 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 0 à 9, il fait base 10. 10. Correct? Mais computer, pas comprend base 10. Computer comprend 10, 0 avec n. Si computer comprend 0 avec n. Combien de chiffres il a? 0 avec n, combien de chiffres il fait? 2 chiffres. Vous avez trouvé en bas? C'est même ça base 2. Dis-moi base 2, comment on appelle ça? Base 10, nous avons ça binary, décimal. Ok, base 10, nous avons ça binary. Soit nous avons ça décimal. Allez, diamant base 2, comment nous pouvons appeler ça? Ça n'a qu'à diamant. On va demander où gars. Ok, base 10, dans mathématiques, tous les temps, on compte dans base 10. On appelle ça binary, on appelle ça décimal. Mais le computer ne comprend pas base 10. Il ne comprend pas base 10. Il comprend 10 base 2. Et base 2 qui nous est là, c'est des affaires nous là, 0 avec n. Et ça, qui nous donne sa base là? Allez. Si nous avons bloqué, nous causons nickel. Nous avons si base 10, nous appelons ça. Ouais, nous appelons ça binary. Très bien, mon garçon. Nous appelons ça binary. Qui fait ça mot by? Ça mot là, by. By veut dire 2. Bicycle, je vous entends parler, bicycle, combien la roue il y en a? 2. Mais binary, il y en a 10 des valeurs. Qui des valeurs il y en a? Il y en a 0 avec n. Computer comprend 10 binary, 0 avec n. 0 veut dire off, n veut dire on. Veut dire n a courant, p n a courant, ça même computer comprend. À cause de ça, enfants, nous allons étudier ce chapitre qui s'appelle Number System. Là. Qui fait nous étudier Number System pour guider le computer comment il fait son calcul. Computer qui lui comprend. Humain qui lui comprend? Décimal. L'autre mot pour décimal qui veut dire? Dinery. Dinery qui veut dire? Base 10. Base 10, il a 10 chiffres. Mais 0 en 9, il fait 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il veut dire il a 10 chiffres. Correct? Et computer qui lui comprend? Base D. Base 2. Base 2, 0 veut dire quoi, enfant? Alexandre Shahil, 0 qui veut dire? 0 veut dire off. Et n qui veut dire on. Vous avez compris là? Binary.
Maintenant, est-ce qu'il y a encore l'autre bon number system? On vous pose une question, on espère que les élèves suivent. Voici une bonne bloquée demain qui me garde un temps. Je suis dans la classe online. Là. Ok? Ouais, je suis online dans la classe, je vous pose après demain, je vous donne un temps. Allez, merci. Allez, sorry. Nous continuons, mes enfants. Combien de number system nous avons? Nous avons décimal, veut dire base 10. Nous avons binary, veut dire base 2. Ok, binary, veut dire base 2. Nous avons encore number system, avec ça octal. Qu'est-ce qu'on a demandé octal qui base 100? Je vais demander à l'autre enfant qui va suivre. Vous voyez que ça en online. Là. Ok, octal, qui base 100? Base 8, très bien. Octal, c'est base 8. Et si nous disons base 8, combien de digits nous avons? 0 à 7. 0, N, N, 2, 3, 4, 5, 6. Mais 0 à 6, il fait 7. Non, 0 à 7, il fait 8 digits. Correct? Allez, nous avons l'autre number system. Comment il appelle ça? Hexadécimal. Bon, hexadécimal qui base ça? Base 16. Hexadécimal qui base ça? Base 16. Il veut dire 0 à 9. Ok. Après, il fait A, B, C, D, E avec F. Et 0 à F, il fait 0 à 15. F A la représente 10. T'as les mots pour causer. B la représente 11. C la 12. D la les 13. E là les 14, F là les 15. Mais 0 à 15, il fait à 16. Allez, nous répondons. Vous avez les qui fait join là. Vous pouvez répondre. Vous pouvez refaire les bons élèves qui fait join là. Ok. Il y a ton maman sur Alouché. Il y a ton maman sur WhatsApp, on a fini à envoyer. On va finir avec la sur WhatsApp, Pena. Pena Zoom. On va finir, oui. Elle a vu là, on va finir, oui. Ok. De manière, quoi. Ce code, ce meeting. Allez, bonnes enfants, nous reprenons. Pour Banzele qui fait join. Vous pouvez répondre là. J'ai dit chapitre, vous pouvez répondre pour les enfants qui ne sont pas trop suivis pour arriver. Première affaire, vous pouvez dire la base j'ai dit avec Z. Correct? Si la base, vous répondez. Si la base nous dit, si ce qu'ils peuvent faire, c'est computer science dans Form 5. Vous remontez toutes les notes là. Voilà. Vous pouvez vous dire ça dans WhatsApp, je vous gagne. Computer science, c'est autres sujet. Si c'est là, ce code appelle 20 des 10. Et je vais vous composer dans l'année 2023. Je vais le composer. Des ans, je vais vous faire un syllabus là. Nous continuons. Vous expliquez. Nous avons des papiers. Qui nous a paper 1. Voilà, paper 1. Vous êtes là, hein? Nous avons paper 1. Voilà. Nous reprenons là. Si on avait rentré là. Oui, oui. Balgobin, ça livre là pour changer là bientôt. En fait, Pena m'a un livre qui finit prescrire pour les syllabus. Livre là pour changer, mon fini envoyer les autres dans WhatsApp ça. Livre là pour les autres. Ok? Mais c'est moi qui vais prendre mon propre note sur mon de les autres là. On ne peut pas le syllabus. Ouais, pour un nouveau livre pour venir pour les autres. Allez, nous continuons. Paper 1, bonnes enfants. Correct, comment je vais trouver? Voilà. Une minute. Réfé à l'île, on n'est plus qu'à écrire. Là. Ok, pas grave. Et la question encore, on va trouver. Donc, il y a une question qui est posée. Ok, oui, correct. Allez, on continue. Paper 1, nous avons 6 chapitres. Combien de chapitres nous avons paper 1? 6 chapitres. Correct. Nous avons data representation, comment on trouve? Correct. Data representation, data transmission, hardware, software, internet and its users, automated and emerging technologies.
Papier D, ménage 4 chapitres. Algorithm, programming, database et boolean logic. Voilà, ça des papiers là, nous avons pour faire. Et on explique juste dans quoi nous affaires. On dit dans des bananes, nous pouvons faire ça des papiers là. Paper 1, nous disons que l'énergie est à 45 minutes. Paper 2, aussi l'énergie est à 45 minutes. Paper 1 appelle computer system. Paper 2 appelle algorithm programming logic. Papier N, les 45 minutes. Papier D, aussi 45 minutes. Papier N, les chapitres 1 à 6. Et papier D, 7 à 10. Et tous les papiers, les compulsory, vous allez répondre à toutes les questions. Et pas les endroits servis à l'artrice. Correct? Ça, c'est là, moi, je finis d'expliquer. Mais là, moi, je dis à l'élève, là, comme ça, nous allons prendre le premier chapitre de Paper 1. Je vous dis ça qu'il ne peut faire. Voilà, premier chapitre de Paper 1, comment appeler? Et là, nous allons discuter ça. Premier chapitre de Paper 1 appelle Number System, Data Representation et Number System. Correct, bon enfant? Ça m'en montre les autres. Voilà, Data Representation et Number System. Ça, c'est le premier chapitre. Correct? Et je vous dis ce qu'il nous peut guetter. Nous peut guetter Number System, Dinary, Binary, Hexadecimal. Voilà. On va direct le topic qui m'avait causé. Voilà, là. Ça, c'est le topic qui m'avait causé dans Number System. On va le back. Voilà. On va reprendre pour Manzele qui est un petit peu en retard pour suivre depuis le commencement. Nous avons Number System. Correct. Combien de Number System nous avons? Nous avons décimal. Ok. Qui veut dire décimal, les enfants? Décimal veut dire base 10. Correct. Voilà, nous avons causé. Décimal veut dire base 10. Une minute. Voilà. Zoom là, c'est fini. Mais comme on vous a réajouté en fin de zoom, vous expliquez bien. Je parle doucement, doucement. Vous pourrez lancer zoom là. Si ça m'a fini, vous déconnectez, vous avez reconnecté. Ok. Et je vous dis, nous vous causons encore quitteuse. On va mettre un nouveau meeting là. Hein. Home. Schedule. Je vais dire 6h30, 6h45. On va mettre encore un layer là. Correct. Aïe là. Je vais dire si déconnecté avec même code je pour reconnecter là. Correct. Mes enfants, vous la connaissez. Si déconnecté, je vous connecter avec même code. Voilà, je vais reconnecter là-dedans. Voilà. Bon, ils ont fait un petit cas à finir. Vous voyez, je code là. Voilà le WhatsApp group. Une minute, je share screen, non? Oui, voilà, on continue mon explication. C'est le déconnecter, je pourrais reconnecter avec le même code. J'espérais que je n'ai pas un problème pour faire. Allez, je vais commencer. Je vais poser des questions là, je vais regarder qui va se lever sur moi. Allez, Shahil, number system, combien de number system nous avons? How many number system we have? 4, name them. Allez, right. Décimal, qui base ça? Allez, right. Binary, qui base ça? Octal, qui base ça? Base 8. Hexadécimal, qui base ça? 16. Allez. Maintenant, question. Base 10, dinary. Combien de chiffres il y a là-dedans? 10 chiffres. Qui chiffre il y a dans dinary? Dans base 10? Très bien. Et dans binary, binary veut dire D. Combien digit tu as dans binary? D. Qui va en digit tu as? 0 avec 1. 0 qui est représenté? Off. N qui est représenté? Allez, qui fait nous étudier binary? Qui raison nous faire étudier binary? Parce que le computer comprend juste binary, 0 avec 1, et n'a courant, pas n'a courant. Nous, humains, nous comprenons base 10, 0, 1, 2, 3, 10, 4, 9. Allez, octal, base 8. Combien de digits il y a dans octal?
8. Combien de digits en a un octal? Très bien. Et dans hexadécimal, qui base? Base 6. Combien de digits en a un base 6? Ouais, je veux dire en tout, il y a 16 digits. Mais 0 à 9, il y a là A jusqu'à F. A représente 10. B représente 11. C représente 12. Il y a allé comme ça. Et F représente 15. Je veux dire 0 à 15, vous faites 16 digits. Correct? Allez, nous continuons maintenant. Parce que je vais vous poser une autre question à un autre élève. Là. À part, Shahil, moi, je vais trouver personne. Ah. Allez, nous posons notre question. Allez, next you did number system. And now, how many number system you have? 4. Name them. Right. Decimal ki basa next you did? Allez, binary ki basa. E octal ki basa. Non, ouais, base 8. Et hexadécimal qui base ça? Très bien. Allez, une autre question pour un autre enfant. Nous demande Shriya. Shriya or Radon? Ok, il va répondre. Allez, binary qui veut dire binary, mes enfants? Ça me baila qui veut dire BI. Ouais, très bien, très bien. D, veut dire. Allez, les de binary, combien de digits nous avons? D. Qui va de digits nous avons de binary? Allez, 0 qui veut dire? Oui, N qui veut dire? Allez, right. N, l'autre mot pour D state. N, ça fait qu'il y a D state. Nous avons ça. By stable. By veut dire 2. Two states. 0 avec N. Ok? Maintenant, vous connaissez binary digits, nous avons 0 avec N. Maintenant, là, nous allons étudier une autre affaire intéressante. Tout ça, vous, là, votre professeur mathématique, il fait compter de base 10. Oui ou non? Base 10. Et votre professeur mathématique, il fait en prendre colonne. Vous connaissez la première colonne? Comment on appelle la première colonne, Vince? Allez, Vince pour répondre à ça. Vous connaissez le compte de base 10. Première colonne, professeur mathématique, comment tu appelles ça? So heading, vous connaissez là-haut. Première colonne, comment tu peux appeler ça? Allez, Vince. Professeur mathématique, il fait tout en prendre ça, les bifos, on en prend, quoi? Oui. Allez, bimanaïko pour répondre. Dans base 10, tous les multiples obtenus. Première colonne, comment appelle ça? Allez, Kedan pour répondre. Première colonne, comment appelle ça? Unit column, là, Kedan. Première colonne, on avait ça, unit column. Du bon là? Je vais faire base 10, là, décimal. Correct? Allez, deuxième colonne, comment on appelle ça? Tenth column. Tenth column. Troisième colonne, comment on appelle ça? Hundred. Quatrième colonne, comment on appelle ça? Thousand. Ça, c'est de base 10. De base 10, on appelle ça décimal. Allez, moi, repose question. De trouver sa colonne, il y a un multiple de 10. De base 10, à cause du travail de décimal, base 10, sa colonne, il y a un multiple de 10. Première colonne là, c'est 10 to the power 0. Qui veut dire 10 to the power 0 par moi? Unit column. C'est bon là par moi? Ok, par moi, on va suivre. Et deuxième colonne, 10 to the power 1. On appelle ça 10th column. N fois 10. Et 10 to the power 2 veut dire 10 fois 10. Il fait 100. Et 10 to the power 3 veut dire 10 fois 10 fois 10 fait 1000. Ok, ça on appelle ça column heading. Correct, tous les enfants me suivent là. On vous pose question parce que c'est l'équipe à vous suivre. Allez, right. Maintenant, nous continuons à suivre. Gadada. Non, qui c'est là? Non, oui. Allez, Gadada pour répondre. Oui. Qui c'est là qui va répondre? Gridari. Allez, Gridari. Gridari me suivre place là. Allez, vite, vite. Je vous pose question, la grille arrive à suivre.
Allez, Guilary va me suivre, vous pensez. Ça va me suivre mon vidéo là. Hein? Je ne peux rien comprendre que ça va suivre, ça va suivre. Pas mal de me suivre. Pas mal là, non? Allez, pas mal. Je vais faire base 10 là, correct? Allez, suivre. Vous pensez de me suivre, hein? Base 10. Première colonne, living center power 0. Comment on appelle ça? Unit column, soit 1. Correct là, pas mal? Deuxième colonne, on avait ça 10 to the power 1. N fois 10, comment on avait ça? 10. Troisième colonne, dit 10 to the power 2. Comment on avait 10 to the power 2? 10 fois 10, faire 100. Troisième colonne, dit 10 to the power 3. Qui veut dire 10 fois 10 fois 10? On avait ça 1000. Veut dire, chaque colonne, il y a un multiple de 10. Est-ce qu'ils vont comprendre ça? La base 10. Maintenant, là, nous allons prendre base D. Correct? Nous avons base D, comment faire? Base D, li pou multiple of 2. Nous avons une coute à ce nous allons prendre binary. Voilà. Nous allons prendre binary, là, base 2. Correct? Base 10, comment nous disons? Ça fait base 10. Première colonne, nous avons ça, unit colonne. Si nous avons dit unit colonne de base 10, le professeur nous montre 10 to the power 0. Il fait unit. Deuxième colonne, nous avons ça, 10 colonne. Correct? Li 10 to the power 1. Troisième colonne, on avait 1000. Ok, 10 to the power 2. Troisième colonne, non, on fait erreur là. 100. 100, 11,000. Ok, ça n'a 100. Ok, vos enfants, vous avez rejoint in là. On pensait que session là, infini, vous avez rejoint in là. Ok, la réponse élève est rentrée là. Correct, ils avaient tant de moi là. Hein? Ok. Laisse tous les enfants finir à rentrer là. Ok. Allez, right. Mais en cause, élève, on va essayer de rentrer là. Ok, on va retourner avec mon nœud. Allez. Correct là, la plupart des élèves sont rentrés. Ok. Allez, on continue. On vous demande une question. Kéden va suivre. Allez, Kéden, base 10. Qui est l'autre nom appelé base 10? Base 10. Demain, nom pour lui. Base 10. Appelle ça dinery. Soit on appelle décimal. Ok, décimal. Tu viens de dire. Très bien. Ok, qui n'a arrivé là? Combien de bougies là? Une minute qui n'a arrivé? Une minute. Décimal. Moi, tu peux faire une affaire, une bougie là. Ah, il a dit bon là. Ok? Et dans la raison, base 10, on appelle ça décimal. Et là, tu remarques, chaque colonne, les 10 to the power of 0, première colonne, on appelle ça 10 to the power of 0, deuxième colonne, 10 to the power of 1, on appelle ça 10, troisième colonne, 10 to the power of 2, et quatrième colonne, 10 to the power of 3, et cinquième colonne, 10 to the power of 4. 10 to the power of 0, qui donne? Combien il donne, toi, ça? Anything to the power of 0 qui est venu? Il n'y a pas de qu'ils a fait. Ouais, très bien. Anything to the power of 0, li 1. On appelle ça unit. Allez, 10 to the power of 1, qui est venu?
Ten, très bien motivé. Ten the power of two, come and live in. Très bien. Ten the power of three. Très bien. Ten the power of four. Très bien. La kitten remarque, le DB travaille avec base 10, tout à fait sans E par rapport des 10. Fois 10 y aller. Maintenant, une question que tu m'as envie de poser. Si tu travailles dans base D, tu peux remarquer, binary travaille en base D. Et tout ce bande colonne lit tout to the power of 0, tout to the power of 1, tout to the power of 2, tout to the power of 3. Là. Allez, tout to the power of 0 qui donne, qui divini? Anything to the power of 0 lit combien? 1, très bien. To the power of 1 qui veut dire? N coûte 2. 2. To the power of 2 qui veut dire? Très bien. Il veut dire 2 fois 2 fait 4. To the power of 3 qui veut dire? 2 times 2 times 2. Combien est-il venu? 8. To the power of 4 qui veut dire? Très bien. 2 times 2 veut dire 4 times 2. Veut dire 8, 8 times 2 divine 6, 16. To the power of 5. Et to the power of 6. Et to the power of 7. Allez, maintenant je vous pose Shreya une question. Ok, Shreya. Allez, quelle différence tu peux trouver? De base 10. Tout ça fait multiplié par 10 y a les mêmes. Dans base D, tout les multiplié par 2 fois y a les mêmes. Allez, right. Je vais vous dire si Shreya lui rappelle première colonne de base D qui était. Première colonne de base D, veut dire tout ça par 0, le 1. Deuxième colonne qui est venue, tout ça par 1, combien y était Shreya? 10. Non, vous voyez déjà. Dans base 10, dinery, tout ça fait augmente par 10. Veut dire unit. 10, 100, 1000, 10,000. Ça c'est base 10. Base D, comment nous compter? Tout ça par 0. Comment il est venu? Unit. Tout ça par 1, veut dire N coûte D. Tout ça par 2, tout ça par 2, il est 4. Tout ça par 3, il est 8. Tout ça par 4, il est 16. Tout ça par 5, il est 32. Tout ça par 6, il est 64. Tout ça par 7, il est 128. Veut dire multiples of 2. Allez. Shreya me repose ta question. Si mon data compte de base 10, qui est venu? Unit 10, 100, 1000, 10,000. Bon et pas bon? Ok? Bien bon. A ce mon data compte de base D. Comment tu comptes de base D? Première colonne qui est venu? First column. Unit. Ok? First column is unit. C'est bon là, Shreya? La deuxième colonne qui est pour venir, diamant. Non, tu avais trouvé. Allez, moi, toi. Get là. Get mon mouse. Première colonne, tu as pas 0, l'unit. Avec la chaleur, tu as gagné. Deuxième colonne qui est pour venir, multiple of 2, multiplié par 2. 1 fois 2 qui est venu. 2. 2 fois 2. 4. 4 fois 2. 8. 8 fois D, 16. 16 fois D, 32. 32 fois D, 64. 64 fois D, 128. Qu'est-ce qu'on a qu'à dire diamant après qui tu peux venir? Tout ça par combien tu peux écrire ici? Très bien, les enfants, ils disent là, Shahil Shoma. Tout ça par 8. Tout ça par 8, combien venir? 256. Correct? Allez, qu'est-ce qu'on a qu'à dire diamant encore qui tu peux arriver? L'autre colonne qui tu peux venir? Tout ça par combien? Ouais, tout ça par 9. C'est la carte, j'ai tout ça par 9. Combien tu peux venir? 512. Très, très bien. Allez, nous référons. Vous trouvez un PZ Living, comprend? Mais un PZ Living a une difficulté là. Vous poussez et un PZ Living a une difficulté un petit peu là. Hein? Allez, nous réponds. Vous proposez une question à un autre élève. Vous regardez si un autre élève comprend lui ça non. Là, nous vous continuons là. Allez, Biari, Nakul. Allez, Nakul, tu es la même là, Biari? Allez, si tu veux compter la base D, première colonne qui vient, vos garçons, tout ça par 0, qui est venu, tout ça par 0, qui est venu, 1, deuxième colonne qui est venu, 2, troisième colonne qui est venu, 4, après ça qui est venu, après ça, après 16,
À présent. À présent. À présent. À présent. Très, très bien. Excellent. Excellent, excellent. Je veux dire, ça, c'est un fini qu'on prend de la compte de base D, comment le multiple a augmenté. Maintenant, là, nous pouvons prendre convert. Qui veut dire convert? Convertir binary to binary. Qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez donner un chiffre en binary pour que les élèves rapidement convertir ça de base 10. Correct? Et vous faites une petite démonstration pour vous comment faire ça. Et nous avons combien d'élèves qui suivent ça. Correct? Si vous êtes noté, noté, noter, vous faites une petite démonstration là, vous pensez. Voilà. Quand nous avons ici là. Comment convertir base 2 vers une base 10? Ok? Alors, regardez comment faire ça. On fait une petite démonstration. Là. Voilà. Une minute, nous regardez si nous allons là. Non. Allez, voilà. Voilà. Ok. Maintenant, dans notre cahier, écrit convert. Ok. Nous voulons que ça n'a qu'à faire ça, mais vous voulez une minute. Demain une minute aux autres. Vous pouvez faire convert binary to. Vous pouvez rendre internet pour faire ça. Une minute. Ok, nous pouvons prendre convert binary to binary. Voilà, convert binary to binary, comment je vais faire? Et dans l'examen, il vous donne une question comme ça. Allez, nous prenons premier là. Ça. Mon mouse peut être trop mort aussi. Attends. Allez, ça, c'est ce que je vais faire ensemble au moins là. Hein? Il n'arrive plus, il n'arrive pas aussi. Voilà, sa question là, nous vous faire là. How to convert binary to binary. Malheureusement, il y a une difficulté pour faire. Et puis, c'était une minute aux autres. Ouais, une minute. Voilà, ça n'est fini complété. Ça n'est fini complété. Voilà. Allez. Je vais te six mots. Ça peut écrire. Voilà. Allez, nous vous prenons ce numéro-là, les enfants. Nous vous convertissons en. Malheureusement, il faut que j'avais sauté. Allez, si dans l'examen, il y a une zone. Écoute-moi, moi, on sort. Une minute. Il est vraiment effacé, non? Peine, non? Là. Ok. Dans l'examen, si vous donnez un convert, il y a une difficulté pour écrire là. Allez, pas grave, je vais l'autre word, je vais parce que là-dedans, je vais trouver un peu difficile pour écrire. Correct, je vais ouvrir l'autre new word, je vais faire là-bas. Ok, voilà. Convert, on va mettre la signe écrite. Convert binary to binary. Allez, allez. Binary c'est base 2. Et binary c'est base 10. Voilà, on espère que vous allez suivre là. Hein? Et comment le convert? Vous donnez un n qui se le binary. Disons vous donnez un n 0 n. Il y a ça binary, ça dit ça base 2. Il y a mon bracket là, mon écalier, ça dit base 2. Mais tu as converti dans base 10. Voilà, mon un calcul là, et mon vais si combien d'élèves qui ont fait. Bon, dans l'examen, il y a déjà 0 avec n comme ça. Correct, il y a déjà fait les binary. Tu as besoin d'écrire sur heading là-haut. Heading des bases D, qui sont heading? Il y a n, il y a 2. Correct, n et 2. Comment il gagne ça? Ça c'est tout ça par 0, ça c'est tout ça par 1.
Là, tu prends ce chiffre-là, tu ne multiplies pas sur heading. Tu prends ce deuxième chiffre-là, tu ne multiplies pas sur heading. Veut dire n fois plus ou moins 0, tu gagnes sa réponse. Veut dire n fois n, dit n, ajouter avec 0 fois 2, dit 0. Sa réponse qui te gagne là, n, divise la base 10 n. Maintenant, vous pourrez faire déjà l'exemple pour vous aider à comprendre plus bien. OK, convert. Pour vous prendre l'exemple pour vous comprendre. Convert binary to dinary. OK, allez, suivez. Hein? Convert binary to dinary. Puis maintenant, arrête-moi 6. Une minute. Je vais arrêter d'écrire. Allez, enfin, c'est pas difficile, lui, mais un petit par chance. Convert binary to dinary. Il y a beaucoup de devoirs là. Hein? Ok. Allez, mettons-moi dans notre n de binary. Comment tu connais binary? Ça me fait un racket, moi, mais deux en bas, déjà binary. Bon, pour te faire une binary, veut dire base 10, correct? Tu écris sur heading. 2 sur heading, qui est n, 2. Je multiplie là-haut comme ça. N fois n, qui est venu? N. N fois 2, il est venu 2. Tu ajoutes ça de là, il est venu 3. Ça veut dire de base 10, il est venu 3. Correct? Veut dire mon convert binary to binary. Maintenant, je vais donner encore un exemple pour mes élèves comprendre si je parle trop vite. On reprend notre exemple. Convert. OK. Binary. Bon, on a fait le binary. Je vais dire qu'il pourra être 0 avec un to binary. OK. Allez. Si je donne juste n avec n de binary. Correct. Comment vous connaissez binary? En bas, vous mettez tout là. Veut dire là-haut, tu as écrit sur heading, to the power of 0, to the power of 1, to the power of 2. Correct là? Pour te faire arriver une base 10, tu as besoin de multiplier là. Tu as besoin de multiplier chaque chiffre par ce heading. Bon, to the power of 0, li 1. N fois n, comment il vient? N. Correct? N fois 2, comment il vient? 2. N fois là où là qui est venu ici, 4. N fois 4 qui est venu 4. Correct, tu ajoutes tout cela. Il est venu 4 plus D, fait 6 plus N fait 7. Veut dire il est venu 7 là d'abord 10. Correct. Allez, maintenant, vous pouvez donner ce step pour vous expliquer. Vous n'allez pas trop comprendre comment on fait sa conversion là, mais vous expliquer. Veut dire, vous donner un chiffre de base. Je vais donner un chiffre de base 2. Je vais dire où faire une base 10. Comment vous faire? Correct. On reprend l'île là-haut. S'il fallait nous faire une blank. Correct. New. Une minute. Right. Pour vous donner un élève, l'exemple. Hein. Ok. C'est mon close, on va refaire. On fait mieux. Right. Ok. Allez, mettez ça dans notre cahier ensemble, moi, nous faire lire. Convert. Vous avez besoin de devoir, là, vous devez faire lire ensemble avec moi. Convert. Ok. On a un service, essayez de lire ensemble. Écrire dans le cahier. Convert. Binary. To binary. Je vais expliquer comment les modèles sont inquiétés de la binary de Felivine Dinery. Je vais dire que tu veux convertir 10, 2, tu veux faire une base 10. Correct? Allez, je vais te donner l'exemple. Correct? Si je me donne n avec 0,
Dans base D, ça, comment tu peux faire une base 10? Puisque tu veux travailler dans base D, tu as besoin de deux sous-headings là-haut. Deux sous-headings. Tout est au 0. Premier heading. Deuxième heading qui est venu. Tout est au 1. Correct? Après, te multiplier. Correct? Tout est au 0. Te multiplier par 0. Tout est au 0. Te multiplier par 0. Tout est au 0. Il est 1. Hein? Te multiplier par 0. Tu viens 0. Tout est au 1. Il est tout ça. Ça veut dire 1 fois 2, il fait 2. 2 plus 0, il fait 2. Ça veut dire, dans la base D, N0, il vient 2 dans la base 10. Correct? Maintenant, on prend déjà l'exemple. Je vous travaille ça pour moi. L'exemple 2. Si je donne N, N, correct? Dans la base 2, je vais faire la base 10. Ça, c'est la base 10. À cause de ça, je vais faire D. Je vais faire la base 10. Bracket 10. Bon, je vais rappeler, à cause de ce travail de la base D, je vais mettre sur heading tout ce par 0 là-haut. Et tout ce par 1. Je vais trop vite. Correct? Et je vais multiplier là. Je vais multiplier là. Les enfants là, bizarre connaît tout ça par 0 veut dire les 1 et 1 times 1 les 1 et tout ça par 1 les 2 2 times 1 les 2 et là il voit 2 times 1 sorry les 2 et il voit ce qu'il fait 3 là ça il pourrait faire 3 là. Allez maintenant. Nous pouvons faire un petit exercice, nous pouvons guetter si bons enfants peuvent comprendre. Allez, par moi, pour dire moi là. On prend un troisième exemple pour guetter si par moi peuvent comprendre. Par moi, bon, exemple numéro 3, vous donnez un chiffre de binary. Ok, de binary, vous pouvez donner un chiffre là. Correct par moi? Tu peux suivre? Si vous donnez toi de binary n avec 0. Dans binary, il y a bracket numéro 2 en bas. Comment tu peux faire arriver une base 10? Je veux dire, à cause de ton travail de base D, tu as besoin d'écrire D sur heading. Allez, déjà, D sur heading là-haut qui vient. N. Deuxième colonne qui vient. 2. Si tu as pas 0. Ouais, tu as pas 0, très bien. Tu as pas 0, il y a N. Tu as pas 1, il y a 2. Je veux dire 0 times 1 qui devient 0 et 1 times 2 qui devient 2 et réponse qui devient 2. Je veux dire N0 de binary devient 2 de base 10. Correct? Allez. À ce stade, vous aidez encore, nous continuons à aller. Je vous fais encore une affaire pour moi. Hein? On va prendre l'autre exemple. Je prends un autre exemple. Comment ça efface tout ça là? Je prends un autre exemple. Allez. Maintenant, nous donnons un petit exercice. Nous verrons que ça n'a qu'à faire ça de moi sur réponse. Convert. Allez, suivre. Hein. Nous verrons que ça n'a qu'à faire ça. Nous voilà un peu plus vite. On fait des colonnes. Correct? Ici, moi, j'ai binary. Ici, moi, j'ai dinary. Allez, ça, j'ai binary, c'est base 2. Voilà. Dinary, c'est qui base? Base 10. Allez, si moi, j'ai 0 de binary, de dinary qui est venu, ça, j'ai un diamant. Il peut 0 même. Si moi, j'ai n de base D, là-bas, qui est venu? Non, il faut N même. Il reste pareil. Si je mets N0, qui est pour venir là-bas? Ça n'a pas de diamant. D, bien, bon, ça n'a pas de ça, bien, à top ça. Bon, comment il y a un D là? Vous expliquez comment il y a un D.
ça n'est pas 1, ça n'est pas 2. C'est-à-dire n fois 0, 0, n fois 2, 2, il y a 2 là. Allez, ça que ça n'a pas diamant qui est venu là. Très bien. Comment il y a 3? Ça n'a pas comment il y a 3? Ça c'est n, ça c'est d. C'est-à-dire n fois n, n, n fois 2, d, d plus n fait 3. Maintenant, nous avons une deuxième affaire, nous avons que ça n'a pas capable de répondre ça. Si je mets n, 0, 0, qui est-ce que vous venez ici? Ça n'a pas allez. 4. Comment il y a un 4? Veut dire n, 2, 4. Veut dire n fois 0, 0, 2 fois 0, 0, n fois 4, 4. Veut dire dans binary, nous avons 4 comme ça, et dans dinary, nous avons 4 comme ça. Allez, une autre question, vous voulez que ça soit plus rapide? Ça n'a comme ça pour gagner un cadeau avec moi là? N, 0, n dans binary, dans dinary, qui est pour venir? Très bien, 5. Comment il y a 5? Eh bien, 1, 2, 4. Je vais dire, n fois n, c'est n. N plus 0 plus 4. N plus 0 plus 4, comment il fait? 5. Correct? Il fait 5. Oui, allô? Qui est arrivé? Ouais, mon fini, c'était demi. Ouais. Allez, qui vous faire? Allez, right, ok. Allez, right, ok, ok, allez, right, allez, right. Allez, right. Correct. Maintenant, on prend une autre question. N, Z, N, N, 0. So, base 10 qui vous venez. Ça n'a qu'à faire ça pour moi. Comment gagne 6? Il gagne 1, 2, 4. Veut dire n fois 0 pour 0, n fois 2, 2, n fois 4, 4, 4 plus 2 fait 6. Bon, vous pourrez faire lui maintenant. Vous regardez comment les élèves suivent ça là. Hein? Il paraît intéressant. Vous pourrez faire lui. Vous pourrez faire une révision là-dedans. Là. Ok. On a prêché. Beaucoup d'élèves comprennent. Mais ce qui ne comprend, vous pourrez faire lui un exemple. Ok. Ce qui ne comprend, vous pouvez faire ça pour lui là. Ok, allez, les restes qui prennent qu'on pense, c'est suivre. Hein? New. Allez. Qui ne peut convertir? Alexandre Gardiaman, qui ne peut convertir? Très bien. Les médias carrières écrivent convertir. Allez, tous les enfants écrivent convertir. Binary to binary. Je te fais lire ensemble à moi dans d'autres carrières. Hein? Allez. Si tu veux, je fais deux colonnes. Correct. N colonne, je fais binary. Deuxième colonne, je fais dinary. Base 10. Tous les élèves connaissent dinary, c'est base 10. Et binary, c'est base 2. Correct là. Allez, 0 dans binary. Il faut toujours 0 dans dinary. Tous les enfants d'accord. N dans binary, il faut toujours N dans dinary. Mais N0, qui vous venez? Et qui est venu? Livine, c'est la carte diamant qui m'a écrit ici. D. Comment il y a un D? Parce que ça vient N, ça vient D. C'est-à-dire 0 fois N, il vient 0, N fois D, D. Maintenant, une lutte. NN qui vous venez, c'est la carte diamant. Allez, comment il y a un 3? Comment il y a un 3? N avec D. Il y a D plus N vers 3. Allez, l'autre question, point champion là. Je vais dire que ça n'a gagné ça bien. N, 0, 0. Qui est-ce que vous venez? Allez, comment il gagne 4? N, D, 4. Je vais dire 0 fois N, 0. 0 fois D, 0. N fois 4, 4. Allez, qui est capable d'écrire ici pour moi 5? Comment vous pouvez écrire? Qui est capable d'écrire ici pour moi? Très bien, vos enfants bien intelligents. N, 0, N. Très, très bien. Comment vous avez gagné ça? N, D, 4.
veut dire 4 plus 1 vers 5. Allez, nous avons une autre question à se dire. Nous avons combien d'enfants qui ont suivi moi? 6. 6, comment vous écrire? Allez, dis-moi. 1 et 0. Ça va gagner ça bien là. N, D, 4. Ça veut dire N, N, 0. Ça veut dire 4 avec D vers 6. Ça va trop vite? Allez, 7, comment vous écrire? Ça va gagner ça 7, comment vous écrire? N, N, N. Comment vous écrire N, N, N? N, D, 4. 4 plus D plus N vers 7. Allez, 8, ça va gagner 8 pour moi. Personne? 8. Non. N, 0, 0, 0. Qui fait? Parce que N, c'est là qui est venu, l'autre colonne qui est venu. 2, après l'autre colonne qui est venu. 4, avec 8. Ça veut dire 0 fois N, il faut venir 0, 0 fois D, 0, 0 fois 4, 0, N fois 8, faire 8, et réponse 8. C'est-à-dire, si vous multipliez ça comme ça, si vous multipliez ça comme ça, si vous multipliez ça comme ça, ça devient 8 plus 0, plus ça devient 0, plus 0 et plus 0. L'être par suite tout ça là, il devient 8. Maintenant, vous guettez une autre affaire. Ok. Vous guettez combien d'élèves qui vont faire ça pour moi? Un calcul pour un champion net là. Vous guettez qui élèves bon là, mémoire bon. Allez. 9, comment vous écrire? Ça n'a qu'à écrire 9 pour moi. Allez, nous guettez. 9. 9, un élève, comment vous pouvez écrire? Bon, pour écrire 9, il faut écrire 1, 2, 4, 8. Ça veut dire 8 avec 1, il faut faire 9. Les restes, il met 0. Vous comprenez? Parce que 1 fois 1, il faut 1. Voilà, 2 fois 0. C'est un devoir, vous pouvez donner un devoir là aujourd'hui. 2 fois 0, il faut 0. Et 4 fois 0, il faut 0. 8 fois n, il faut 8. 8 plus 0, plus 0, plus n. Combien il fait? 9. Correct? Maintenant, on va vous donner un devoir qui m'a supposé donner un retourne dans le devoir. Aïe là. Attendez, je devoir là. Ça devoir là, mon père, vous êtes. Allez, ça n'a qu'à dire comment il a convertir sa première là. Allez, je prends premier exemple. Correct? Allez, moi je prends ça l'exemple là. Activité N.N, c'est devoir là. Hein? Allez, right. Vin là. Allez, right. Ne vais qu'ils élèvent qui va faire ça pour moi là. Attends, ça me delete là, non? Attends. Allez, moi je vais faire exercice N.N. Vous êtes là, moi je vais faire l'exemple. Allez, ça n'a qu'à travailler ça pour moi. Bon, de qui base il était ça? Kedan, de qui base il était là? Il y a 0 avec N. De qui base il était là? Allez. Si pas Kedan, Gridari qui a répondu. De qui base il était là? Which base nous peut travailler? Il est de base D, très bien. Et déjà ça de base D là, les enfants aiment bien répondre. Nous pouvons convertir qui base nous peut faire divini? Allez, right. Ici là-haut, heading qui nous écrit? Allez, dis-moi, mes enfants, qui nous écrit là? So heading. Base D sur heading, allez, dis-moi. N, D, après 4, 8, 16, 30, allez, bon, capable de trouver lui bien, mais mon pensée, mon réécrit bien pour toi. Ok, allez, mon réécrit bien pour te comprendre. Mon écrit comme ça. N, mon écrit plus bien pour te trouver lui bien. N, l'inenta 0, 0, N, N avec 0, 0. L'inenta ça. Mon écrit est trop vide. Attends, on va faire une plus jolie là. Ok, allez. Mon travail, il m'a fait ce working. Allez, 0,
Vous pouvez convertir base D. Ça ne dévoile rien. Hein? Dévoile là, vous pouvez finir faire un exemple pour l'autre. 0, 0, N, N, 0, 0, N, N. Allez. Premier heading. Tout ça par 0. Qu'est-ce que c'est ça? Ça n'a pas tout ça par 0. Qu'est-ce que c'est ça? N. Allez, right. Vous pouvez écrire directement N si vous voulez. Allez, vous pouvez écrire N directement. Tout ça par 0, li 1. Allez, l'autre heading qui est venu, ça n'a pas de jama. 2. L'autre heading. 4. Ouais, bien bon. 4, 8. 16. 22. 64. 128. Alors, c'est qui tu as fait? Tu as multiplié là. Multiplier là. Multiplier. Multiplier. Multiplier, 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 multiplier. Allez, n fois n, combien est venu? N fois n. N même, bien bon. Allez, right. Moi, écrit en bas, hein. N fois n, vin n. Moi, plume, vini, plume, plume, peut sauver. N fois n, n. 2 fois n, combien vini? 2. 4 fois 0, 0. 8 fois 0, 0. N fois 16, 16. N fois 32, 32. Ici 0, ici 0. Ah, c'est qui m'a besoin de faire? Qui m'a besoin de faire là? Ajouter. Ajouter. Allez, combien de gagnants réponse? Qu'est-ce qu'on a qu'à ajouter pour moi? 51. Réponse combien? Allez, bon là, je vais faire un exemple pour vous, je comprends. Allez, je vais prendre des autres devoirs, un deuxième exemple. Les restes pour vous, pour faire là, hein? Pas moi qui vous faire des devoirs là. Vous autres qui vous avez fait, je vais prendre un deuxième exemple. Allez, je vais prendre qui? Laquelle? B, C, D, E, qui vous prend? Dis-moi, je vais. Ah là, je vais finir faire pour vous. Laquelle je vais prendre? Et c'est la plus facile pour moi. Correct. Donc, il y a qui vitesse nous fait. Allez, je vais prendre B là. Hein? Correct. Je vais faire B pour vous. Allez, tous les enfants me suivent moi là. Qui a été ça? On arrête d'écrire là. Allez là. Allez, convote ça non? Allez, vous êtes avec moi là? Ou ça, je ne vais pas étonner moi. On va étonner personne de causer là. Allez, ça là. Balgobine. Allez, balgobine là. Allez. Nous vous convertis la balgobine. Correct? Bon, réécris les boutons en bas un peu plus gros parce qu'il est trop difficile à me trouver. Ok, attends, je prends plume, je prends ça et je vais plus gros. 0, N, 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 N. Comptez, bon là, combien N là? 3, 6, 7. 3, 6, 7. Il est bon là. Allez, de qui base il était là? De base D. Qui base m'a besoin de faire venir? Qui base m'a besoin de faire venir? 10. Allez, heading, qui m'a écrit? Je vais écrire direct. N. Ouais. Ah, c'est qui m'a besoin de faire? Allez, right. Allez, qui réponse m'a bien ici? Qui m'a fait ça? Alexandre a ajouté plus vite que moi. Je vais finir dans d'autres réponses. Taïs, vous êtes plus rapide que moi là. Hein, vous êtes plus fort que moi là. Allez, pas faire. Hein. Moi, je pense que je suis plus rapide que vous. C'est un déplacement là. Allez, tous les enfants comprennent comment faire un numéro là. Correct? Qui se n'en prend là? Qui est de devoir? Je n'en prends convert quoi? Convert binary to dinary. Tous les enfants comprennent aujourd'hui? Et des voies là, ça, tout ça, des voies là, je vais vous faire A jusqu'à J. Correct? Et dans la prochaine classe, là, je vais vous expliquer comment convertir dinery to binary. Vous avez dit, nous allons arrêter là même. Là. Dinery to binary, le jour, je vais vous faire. Et des voies là, si vous avez fait un screenshot, faites un screenshot. Et je vais besoin de normalement, je vais besoin de dimanche. Capable, je vais vous donner une leçon dimanche, 8h à 9h30. Pourquoi je vais vous faire un message? Maintenant, je vais vous l'équipe première fois, besoin de moi là. Je vous dis à vous, je vais vous classroom. C'est un moi dans WhatsApp et classroom. Je vous dis à vous, classe code, toutes mes informations vous passent là-dedans.
Ok, si mon capable va ajouter là, mon guetté. Classroom. Correct, tous les enfants me suivent là. Hein? Classroom, class code. On va ajouter tout mon renseignement là-bas. Là. Allez là. Je class leader. Voilà, on a des groupes là. Mais c'est moi tous les groupes pour me faire les mines dans un seul. Je hein? Veux dire grade 10 mondi. Et là. Ça. Et je donne ce code. Ça, c'est le code de la classroom. Allez, il y a un élève, notre lit. Ça, vous groupe lundi, ça. Correct, là? On a trop vite. Sinon, la vidéo, là, vous gagnez, vous pouvez applaudir dans YouTube, vous pouvez vous correct, tous les enfants, correct, là, c'est noté. Alright. Sinon, il y a encore un groupe. Il y a encore un groupe dimanche. Dimanche, là, il est là. On bien de deux, hein, grade 10, là. Et dimanche, nous avons un autre groupe, grade 10, ah, là, ça, ça. Ça, nous avons un autre code pour lui. Prends un code là, parce qu'il a déjà fini avec les autres livres, tout. Rendez un service, prends ce code là. Correct, tu en fais un point? Allez. Astéa, get là-dedans, les autres rentrent là-dedans. Il y a mon notes là, il y a le livre là, ça livre qui m'a fait là, je dis que ce livre, je vais le download. Et ça, si la base qui m'a fait là, mon fille donne ce là, je vais le download. Les enfants corrects? Vous pouvez montrer le code là, bon enfants qui peuvent rentrer dans sa classe là. Ça, ce code. VXII5Q numéro 2. Et le livre là, mon fini avec vous, ça livre qui m'a fait là, je dis mon fini avec vous là. Et le livre là, là, et c'est la base là. Les enfants corrects là, hein? Mon fini avec vous. Et devoir, mon fini d'un autre devoir. Qui devoir, mon d'un autre? Il dit là. Activité N.N, ASKJ. Et une partie là-dedans, mon fini faire. Et prochaine classe, moi, pour continuer, convert dinery to binary. Tu en fais correct? Et t'as l'air, moi, pour upload ça dans YouTube. Je te connais, mon YouTube channel. Et là-bas, je te capable de faire ma notes là. Ok? Infini là, non? Infini. Ouais, vous avez commencé. Ouais, normalement il finit là. Ouais, oui, end the lesson.